3, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Un autre sort nous attend. Spartiates ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous amenez à l'endroit où vous vous tenez, maintenant! Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux! Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Et pour Sparte! Yeah!
Maudit Spartiate, je porterai ta tête à Xerxès. Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche, père. Je porterai ta tête à Xerxès. Spartiate insolent. Viens la chercher. Mon fils se bat mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès. Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur. Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger. Alors, pourquoi saignes-tu autant? Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aura anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Waouh, c'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus.
Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issus, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais... on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro Ideira rositos tolundas Efcardios proscopi Ton son tonto Pagalenise Iunitas ben fixi Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Malaka. Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Je vais le savoir. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en personne. Ne se moque pas du Cyclope. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyer B. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein?
Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaga! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je dois passer ça.
Ah, bah bravo! Je vous épargne, et vous me faites ça. Je vais regarder la vie quitter tout ça. C'est le dernier jour. Pas si vite, mission. Je t'ai trouvé. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite! Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais... tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu ?
Je vais prendre celui du milieu. Ah, c'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques... travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras... demandé à Duris ton argent. Ah, Euterp, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevée. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. On se met en route! Et voilà. Je vais surprendre ces malakès. Je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebe. Ces herbes hautes vont me cacher. Pas laisser s'enfuir le reste de ces malakès. Hein? Il y a eu un bruit. Commence à devenir pénible, tout ça. Ce Marcos, il sera le suivant. Il est temps de sortir Phoebe de là. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi! Tu peux l'avoir!
Naboo. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nikolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurai rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Sammy, Duris sera à son échoppe. Hi-ya! 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 Alexios, content de te voir. Achetez vos pots ici, ils sont jolis mes pots, pour toute la famille. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Mmh.
Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie ! Oui, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que j'aie une conversation avec Marcos. Tu ne me réclames rien ? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute rouillée que tu portes. Elle pourra me servir face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Travail qui t'amène. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai. Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Je vois à ton sourire que Doris t'a rendu ton argent. Quel sourire ? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais... on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. On n'a plus le choix maintenant. Il nous faut un plan. Ah, ça, c'est mon domaine. Et je ne parle pas de tes manigances habituelles. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia, dans le creux de ta main. Alexios ! Cassandra !
les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein. Oh. Ah. Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia! Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Et qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Marcos? Oh, il plaisante. C'est un petit jeu entre nous. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée! Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois... Commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha ! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. Sammy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Ah.
C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Avance ! Opa, opa. Allez. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Ce doit être le campement de bandits que je cherche. Faut que j'approche discrètement.
quoi ça? Rien? Purée. Il semble avoir vu quelque chose. Je crois que tout est en ordre. De rapporter du bois comme preuve. Ou cette vieille folle ne me croira pas.
Salut, Phobos! Mercenaire de Marcos. Ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois ne devrait pas tarder à arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire ? Je ne m'attendais pas à ce que tu me croies. Alors, j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé ? Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Céphalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Que ferais-tu d'un javelot ? Tu as de nouvelles ambitions ? Tu veux devenir soldat ? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Samy. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Thank you.